ravie de faire ce live en direct de la Poulette Party pour la toute première fois. La Poulette Party vient à vous. Je sais que vous êtes tellement nombreuses dans nos lectrices à être derrière vos écrans, à attendre ce moment et à chaque fois à vouloir vivre cette soirée avec nous. Donc aujourd'hui, où que vous soyez en France et ailleurs, nous allons vous faire vivre la magie de cet événement. Et qui dit soirée exceptionnelle dit robe exceptionnelle. Je vous la dévoile enfin. Regardez ce dos, cette robe. Un grand merci à la créatrice Elsa Gary, qui est une créatrice française de fabuleuses robes de mariée. Celle-ci, c'est un ensemble qui s'appelle Lolite, que vous pouvez retrouver dans la collection 2024. Donc, si vous avez en projet de vous marier l'année prochaine, allez vite découvrir son catalogue. Je vous emmène avec moi donc découvrir les marques présentes à la Poulette Flowers Party. Vous pourrez faire des découvertes de leurs nouveautés, avoir de nombreux codes promo exclusifs pour vous faire plaisir et surtout, à la fin, un lien spécial vous permettra de gagner 5 poulettes bagues fabuleux concoctées par les marques, encore plus beaux que ceux remis aux invités. Et nous terminerons en beauté avec une invitée d'exception qui est Nad, qui va nous faire un petit show exclusif avec... deux morceaux fabuleux que vous allez découvrir avec nous. Et donc là, je vous emmène découvrir la première marque. Suivez-moi. Nous voilà dans l'univers de Spado. Et c'est Léa qui va vous dire un petit mot. Donc Spado, c'est vraiment une marque que j'ai voulu présenter aujourd'hui par qui dit printemps, dit aussi le fait de prendre soin de sa maison, d'ouvrir les fenêtres et... de plus en plus, de penser à sa planète. Et Spado a créé un kit totalement innovant et une façon de prendre soin de chez soi différemment. Léa, je vous laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter le nouveau concept Spado, donc les ultra-doses. Donc en fait, le concept est simple. Il s'agit d'une petite pastille donc concentrée en actifs naturels. Il y a jusqu'à 92% d'ingrédients d'origine naturelle et qui sont éco-certifiés. Et en fait, c'est très facile à utiliser. Il suffit de déposer la pastille dans un flacon vide, d'ajouter de l'eau chaude, attendre 15 minutes que la pastille se dissout. Et en fait, ça donne un prêt à l'emploi à utiliser immédiatement. L'avantage de cette solution éco-responsable, c'est qu'elle permet de diminuer jusqu'à 99% sa consommation de plastique, notamment puisque ça permet de réutiliser à l'infini son flacon et donc ça évite les emballages à usage unique. Nous, on propose un starter kit pour le démarrage et après, en fait, il suffit juste d'acheter les recharges pour recharger son flacon. Et du coup, dans l'emballage des recharges, il y a 0% de plastique. Le deuxième avantage, c'est de réduire son empreinte carbone jusqu'à 95%, puisque premièrement, la production de pastilles est beaucoup moins énergivore qu'un prêt à l'emploi classique. Et d'autre part, nous, ça nous évite de transporter l'eau et du coup, ça nous permet d'optimiser le transport. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus pratique à ranger chez soi. Donc, au sein de la gamme, on va retrouver trois essentiels pour entretenir sa maison. Donc, on va avoir un dégraissant à base de cristaux de soude et un parfum citron naturel. Un anti-calcaire à base d'acide citrique et de bicarbonate de soude avec un parfum framboise naturel. Et un multi-surface pour toutes les surfaces avec un parfum eucalyptus. Donc, on va vraiment répondre à tous les besoins de la maison. Merci beaucoup, Léa. C'était super. Une petite pastille vous indique qu'un code promo vous attend dans les descriptifs pour pouvoir découvrir également à la maison cette superbe marque. Merci, Léa. On continue. Cette fois, on va dans le sud de la France. Avec la sublime marque Jeanne d'Arthès et Leslie qui va me rejoindre pour nous présenter cet univers ultra féminin, parfumé, qui nous donne très, très envie et cette belle nouveauté qui s'appelle Dame Jeanne. Donc oui, en effet, on a voulu travailler sur un univers ancré dans la nature à travers cette nouvelle collection de parfums qui s'appelle Dame Jeanne et qui va représenter toutes les féminités contemporaines. Avec un parfum qui est à la fois féminin, mais aussi engagé,
avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle, sans colorant, sans filtre UV, avec de l'alcool de betterave, un flacon éco-conçu à base de verre recyclé et qui va pouvoir aussi être facilement recyclable parce qu'on peut facilement retirer la pompe puisque le col est à vis. On travaille sur 3 signatures de parfums créées par une parfumeur grassoise pour toutes les femmes d'aujourd'hui, les femmes contemporaines. Pour les nombreuses poulettes qui nous regardent, vous avez également un super code promo sur la boutique Jeanne en Provence, un fabuleux code promo. Et on continue toujours avec le groupe Arthès, dans un univers très pop, très girly comme je les aime, avec des brumes incroyables que vous allez pouvoir glisser dans vos vanities pour cet été. C'est la marque Skill. Alors Skill, en fait, ça veut dire « Sky is the limit ». On s'adresse à des jeunes femmes de l'univers millennials. On est sur de la jeune fille qui va rechercher un parfum qui lui correspond à son mood, à sa personnalité ou à son outfit. Et donc, on va lui proposer une façon différente d'aborder le parfum avec soit une brume corps et cheveux avec 3 collections différentes, Milky Way, Toxic Love et Summer Crush, où on va retrouver des notes plus fruitées ou des notes plus sexy ou des notes plus gourmandes. Et on va pouvoir les adapter en fonction de ses envies et de sa personnalité, et on va pouvoir les collectionner et même les superposer. Et on a aussi également Skill Colors, où on est sur des parfums hyper instagrammables. On est sur un tube, comme un tube de gouache, et le jus, c'est un jus Milky, c'est un jus breveté qui va être hydratant et qui ne va pas dessécher la peau. Et on est sur, de la même manière, un flacon qui est rechargeable pour éduquer nos consommatrices à protéger la planète avec la petite recharge. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le flacon fait 50 ml et on va pouvoir le recharger 2 fois avec la recharge qui est 2 fois moins chère que le flacon. Donc, on fait un geste pour la nature. Un dernier détail, c'est que les brumes parfumées pour le corps et les cheveux, elles sont pailletées. Donc, c'est super sympa. Et quand on a envie de sortir, d'aller en boîte, eh bien, on a juste à se faire un petit geste comme ça sur le corps et les cheveux et on est paré pour aller faire la fête. Génial, merci Leslie. Les filles, on fait un énorme coucou. On se faufile. Regardez, chaque marque en fait anime des petits ateliers. Là, on est sur l'espace Senteur avec Skill et Jeanne en Provence. Et chaque marque anime un atelier découverte vraiment pour se plonger dans leur univers. Et maintenant, on va passer au vernis à ongles. Nous voilà dans l'univers de Semilac. Vous connaissez mon addiction au vernis et plus particulièrement au vernis semi-permanent. Regardez le joli vernis que j'ai ce soir. Il est de la marque Semilac. Et alors, il est assez incroyable parce que c'est un vernis 3 en 1 qui fait base, couleur et top coat en même temps. J'ai le plaisir de vous présenter Jean. Bonsoir à tous. Alors Jean, qui croit beaucoup en Semilac, qui est une marque polonaise qui arrive tout juste sur le marché français. Et Jean, dites-nous en plus sur cette marque. Alors Semilac, c'est une marque qui a une trentaine d'expérience, qui est un gros leader sur l'Europe centrale du vernis semi-permanent. Qualité de produit qui est, on va dire, dans les meilleures qualités de produit, qualité des pigments, qualité des différents vernis, qualité des pinceaux. Ce ne sont pas les mêmes pinceaux pour la base, le vernis, le top. Donc, on arrive avec une gamme qui est très, très belle. On arrive avec une large panel de couleurs puisqu'on va mettre à disposition demain 200 couleurs, plus de 300 sur le site web et plus de 700 produits au total pour le consommateur. Voilà, donc heureux de vous faire découvrir notre univers du vernis semi-permanent. Merci beaucoup. Et il faut que je vous montre un petit truc. Dans les poulettes bagues, donc il y en aura 5 à gagner à la fin de ce live, regardez le coffret qui vous sera réservé. Un énorme coffret découverte avec de nombreuses couleurs, tous les accessoires, la lampe. Vous allez pouvoir vous faire des manucures dingues à la maison grâce à ce sublime coffret Semilac. Donc, il y en aura 5 à gagner dans le poulet de bague en fin de soirée. Et les filles en profitent justement pour faire une jolie manucure et repartir avec des mains impeccables.
Je vous retrouve dans un univers ultra fleuri parce qu'on ne pouvait pas imaginer une poulette flowers party sans avoir de sublimes fleurs à vous montrer. Et en l'occurrence, cette fleur est une fleur très commune, très courante, qu'on connaît tous, qui est le géranium. Et son cousin, alors je lis mes notes parce que c'est un petit mot latin, le pelargonium, qui est le cousin du géranium. Personnellement, je n'ai pas du tout la main verte. Mais en l'occurrence, on peut faire des choses magnifiques avec cette fleur. Donc, on la retrouve sur les terrasses, sur les balcons. Mais il y a plein de choses à découvrir. Et justement, Chloé, qui est juste là, qui est attachée de presse pour le consortium européen Pelargonium for Europe, voilà, est venue animer un fabuleux atelier. Elles ont des bijoux de tête magnifiques avec leur géranium. Et elle va nous parler un petit peu de cette plante, finalement, qu'on connaît parfaitement, mais pas encore assez. Pas vraiment, ouais. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je représente Pelargonium for Europe aujourd'hui. Donc, Pelargonium for Europe, c'est une initiative marketing des producteurs européens de géranium. Donc, on est à la Poulette Party ce soir pour animer un atelier créatif DIY avec les géraniums qui sont juste ici. Donc, il y a des géraniums zonales. C'est ceux qu'on va retrouver plus facilement dans les jardineries, chez les fleuristes, en fait. C'est des plantes assez simples à entretenir. Donc là, c'est les géraniums zonales qu'on peut retrouver, mais il y a vraiment différentes variétés. Il peut y avoir des odorants, par exemple, pour parfumer, par exemple, nos repas. Donc ce soir, on a fait un atelier créatif. Au-delà d'avoir un peu habillé le lieu de la soirée, on est aussi en collaboration donc, avec l'atelier Lutèce qui va s'exprimer juste après. Et je tiens également à remercier notre producteur de géranium, donc Régis Benoist Horticulture, qui nous a fourni donc, les géraniums. Donc voilà, je vais juste laisser un petit mot pour l'atelier Lutèce qui a animé avec moi, donc avec Pelargonium for Europe. Bonsoir à tous. Alors nous, c'est l'atelier Lutèce. On a réalisé l'atelier floral ce soir. On est spécialisé dans les ateliers DIY, les ateliers floraux. Et on est positionné donc dans toute la France. On est à Paris, à Nantes, à Lyon. On peut se déplacer. On a des intervenants sur toute la France. Et on est spécialisé donc pour les enterrements de vie de jeunes filles, les anniversaires, les comités d'entreprise. Vous pouvez venir nous rencontrer. D'ailleurs, petit mot personnel, j'ai eu le bonheur d'accueillir Véronique il y a 6 ans pour mon mariage, qui avait fait des sublimes couronnes de fleurs aux invités. Voilà, on quitte l'univers fleuri. Là, ça papote vraiment. Je vous emmène découvrir des gourmandises avec un buffet aux 1000 pétales et aux 1000 couleurs. Nous voilà dans l'univers gourmand et c'est Guillaume qui est aux manettes. Alors Guillaume, vous pouvez suivre ses créations sur son compte Instagram au bout des doigts. Mais de toute façon, vous allez retrouver toutes les informations dans le descriptif du live tout en bas. Et on a mis à l'honneur également de jeunes artisans, de jeunes créateurs qui ont des concepts vraiment, vraiment différents, vraiment novateurs. Si vous venez jusque-là, alors je vous montre le buffet en presque fin de soirée et pour vous dire à quel point c'était délicieux, c'est que les filles se sont régalées. Alors, je voulais déjà vous parler pendant que Guillaume finit ses préparations. Artisan Daki, c'est le coup de foudre collectif pour ces fabuleuses créations. Ce sont des panis qui nous viennent de Nice et qui sont en fait des frites dans leur forme à base de pois chiches dans des cornets super mignons, regardez. Et en fait, donc Tristan, le créateur que j'embrasse, a proposé et a créé 6 recettes sucrées et salées pour accompagner vos plats, pour des petites friandises, pour du snacking à la maison. Et donc là, nous avons découvert à la fleur d'oranger, au romarin, les panis nature, à l'olive, au piment d'Espelette, à la truffe. Le piment d'Espelette est particulièrement assaisonné. Et la grande nouvelle, c'est que vous pouvez également les faire venir à la maison parce que les panis des artisans d'Aki peuvent être livrés surgelés.
Et ensuite, vous avez simplement, voilà, à les mettre dans une friteuse et vous vous régalez. Et là, maintenant, on va interrompre Guillaume. Venez voir ce que nous concocte le chef en live. Approchez-vous. Je me mets à côté de toi, Guillaume, parce que c'est moi qui ai le micro. J'arrive. Je passe derrière. Alors, dis-nous pourquoi ton riz est violet. Alors, le riz est violet tout simplement parce que le thème de la soirée, c'est la fleur. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour ça que j'ai accepté. Et en fait, moi, j'adore mon jardin, j'adore les fleurs. Donc, toutes les fleurs que tu as ici, en fait, je les ai cueillies moi-même. Et j'ai pris soin de tous ces petits arbres toute l'année. Et là, en fait, les trois riz, les couleurs que tu as, en fait, c'est simple, c'est naturel. Donc là, le vert, c'est la chlorophylle, en fait. C'est fait avec la chlorophylle que tu as dans le persil et dans le basilic. Ensuite, violet, c'est la violette et puis la lavande. Et le dernier, le riz jaune qui est juste ici, c'est à base de... J'ai mis une petite pointe de curcuma et puis des pétales de rose jaune et orangé. Donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça... ça rapporte une note florale, mais ça ne va pas donner forcément de goût. Donc, je te laisse faire la manip, je trouve ça ultra impressionnant, vas-y. Alors là, je mets juste un petit trait d'eau, comme ça, ça va favoriser en fait, l'algue, elle a besoin de reprendre, de s'hydrater. Donc, c'est pour ça que là, c'est un peu rétréci, c'est flétri, et là, ici, c'est un petit peu plus sec. Donc, pour la consommer, c'est pareil, je conseille toujours d'attendre, une fois que le rouleau il est fait, d'attendre 2-3 minutes pour que ça revienne, que ce soit... beaucoup plus agréable en bouche et que ça ne fasse pas comme de la feuille de papier. Donc là, je termine. On se dépêche parce qu'il y a plein de filles qui attendent de goûter les maquis derrière. Ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure. Hop là. Donc en soi, c'est pas très compliqué de faire les maquis. C'est pas le plus dur, le plus délicat en fait, c'est la cuisson du riz. Donc faut qu'il reste ferme, qu'il soit pas pâteux. Et c'est pour ça que je l'ai terminé et qu'il soit frais aussi. C'est pour ça que je l'ai terminé à 2h30 du matin cette nuit. Génial. Merci Guillaume. On continue. Merci à toi. J'en profite, juste avant de quitter l'espace gourmandise, de prendre deux petits macarons avant qu'il n'y en ait plus. Mon chouchou, celui-ci, violette et cassis, absolument fabuleux. Et ce sont de grands gourmands qui nous les ont concoctés. Ils sont partis en cuisine. On vous met les petits liens pour aller découvrir tout ça. Et alors, sans transition, après le buffet, je vais vous présenter des maillots de bain. Zéro complexe. De toute façon, nous serons toutes des naïades cet été. Partons découvrir la marque Terra Merana. Je suis ravie de vous présenter Maureen, la co-créatrice de cette fabuleuse marque de maillots de bain qui, avec un modèle, nous permet de changer de look jusqu'à 15 fois parfois, c'est juste hallucinant, avec des matériaux recyclés. Enfin, Maureen, dis-moi plus sur tes créations. Merci. Alors, donc, c'est des maillots de bain qui sont multiportés. Donc, le principe, c'est d'avoir plusieurs maillots de bain en un. Donc, ils sont étudiés et développés techniquement pour être portés de 3 jusqu'à plus de 15 façons différentes en fonction des modèles. Donc, il y a certains modèles qui sont réversibles, comme celui-ci, par exemple, ou celui-ci. Et tous les maillots de bain sont faits en tissu recyclé de filets de pêche, de déchets plastiques en général, qui sont régénérés, transformés en billes de nylon et ensuite faits en tissu, donc maillot de bain. Donc le rendu est assez galbant et épais. Et on a également accompagné les maillots de bain de quelques pièces de beachwear pour avoir un look complet tous les jours. Et puis, bon.
Grâce à un maillot de bain, on a vraiment plusieurs looks différents. C'est ça qui fait notre particularité. Merci Maureen. Je rêve devant ce modèle orangé, là, il est fabuleux. Et alors, c'est une marque inclusive, puisqu'on va du XS au XXL. Donc, réellement, toutes les silhouettes trouveront leur bonheur. Et alors, vous voyez, on a un bel espace avec un joli piano, parce que c'est vraiment une artiste de folie qui va nous jouer quelques notes tout à l'heure. Vous allez avoir deux morceaux exclusifs, dont The It's a Heartache, que vous avez entendu dans The Voice. Et Nad va nous interpréter également son tout premier single. Je la laisse se préparer tranquillement. Je refais un petit tour avec vous dans les différents stands. Et ensuite, place à la musique. Donc, n'oubliez pas surtout de participer au grand concours pour gagner 5 poulets de bagues fabuleux. Chacune des marques y aura glissé les merveilleuses nouveautés que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Vous avez également des codes exclusifs à découvrir en descriptif. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'Instagram Poulet de Partie, également sur Poulet Blog pour le mien, à poser des questions, à interagir, et nous nous ferons un plaisir de vous répondre en direct de la soirée. Accompagnez-moi pour refaire un petit tour des stands pour voir comment se passent les différents ateliers. Toujours les petites couronnes de fleurs, j'ai pas encore eu le temps de faire la mienne, mais regardez comme c'est joli, des bijoux floraux. C'est magnifique. Véronique au doigt de fée, je suis tellement ravie de la revoir. Hein ? C'est magnifique ce qu'elles sont en train de faire. Ça, c'est l'inconvénient de recevoir, parce que du coup, je ne participe pas à tous les ateliers. Mais là, je vais prendre le temps. On fait un coucou à Nad, elle est en train de se préparer. Elle est superbe. Vous me suivez encore un petit peu ? Il y a toute une équipe derrière, je vous explique même pas. Il faudrait qu'on ait le making of pour que vous voyez ce qui se passe derrière l'écran. J'en profite d'ailleurs, là on a une jolie lumière, pour vous remontrer ma robe. La fameuse création Elsa Gary, le modèle Lolite. Regardez ce dos. De toute beauté. On a dit aujourd'hui que j'étais une fée des bois. Donc ça me va plutôt bien. On fait un coucou à Nad, voilà. On la voit bien. Elle a hâte et moi j'ai tellement hâte de l'entendre. Sa voix, elle est fabuleuse. On va lui dire un petit mot avant qu'elle commence. Je viens te voir un petit peu avant que tu commences. Parce qu'après, ça va être le grand silence. Alors, ce visage ne vous est pas inconnu. C'est un coup de cœur. Nad, elle est fabuleuse. Elle nous a transportés dans l'émission The Voice cette année avec une reprise de Bonnie Tyler absolument renversante. Et il y a quelques jours maintenant, son premier single est sorti, est disponible. Et on va frissonner en le découvrant en direct. On est à 2 mètres d'elle. Hein, donc vraiment, les frissons vont être là. Donc, Nad, si tu veux nous dire un petit mot avant de passer derrière ton piano. Bah écoutez, en tout cas, déjà, je remercie Manuela pour cette belle invitation. Merci les poulettes parties. Et puis, j'ai bien hâte de commencer ce show ensemble et de faire découvrir mon univers musical. J'ai hâte aussi. On va fermer les fenêtres, on va tamiser les lumières, ça va être fabuleux. Je te laisse te préparer. Et on refait un petit tour et on revient vers toi. On va repasser au niveau des vernis. J'aimerais bien voir si les filles ont choisi des nouvelles couleurs flashy. Ça ne désemplit pas parce qu'ils ont un mur de vernis absolument incroyable et que chaque fille choisit sa teinte.
et attend patiemment pour avoir des mains impeccables. Regardez le monde. Pour avoir des mains impeccables pendant plus de 3 semaines. On va retrouver l'univers des parfums. Oh, regardez, regardez cette beauté là, Cyrielle. On se prend un... Oui. Rejoignez-nous. Il va y avoir des cadeaux à gagner et une super artiste. Ouais, une super artiste. Tout le monde a hâte de l'entendre là pour le moment. C'est un petit peu en pause parfois parce que tout le monde a hâte de l'entendre. On continue. On va revoir les parfums. On se faufile. Là, on attend l'artiste. C'est, les poulettes parties, c'est aussi ce moment où on prend le temps de papoter entre influenceuses, on prend le temps de papoter avec les marques. Ce sont des vraies soirées girly, toujours avec une ambiance, voilà, on se raconte nos vies, on s'assoit, on boit un verre, on partage, on n'est pas dans la course. Et voilà, on prend enfin le temps de partager ce moment ensemble. Et c'est assez magique. C'est assez magique. On retrouve des copines. On se fait de nouvelles copines. Ah oui, puis ça, il fallait que je vous parle de ce quiz. Parce qu'en fait, l'équipe de Spado a concocté un quiz pour tester nos connaissances sur l'éco-responsabilité, comment prendre soin de sa maison de façon... voilà, responsable et surtout de prendre soin de sa planète. Et les gagnantes vont remporter des lots fabuleux autour du citron, autour de la framboise, qui sont les grandes thématiques et les grandes senteurs de leur nouveauté. Nad est prête. Je pense que... Est-ce que les poulettes sont prêtes? Oui. Non, ça c'est non. On est vachement plus prêtes. Est-ce qu'on est prête? Ouais. Là, maintenant, on va se faire... Je vais me faufiler, je vais me mettre dans un petit coin et on va profiter. Et Nad, encore merci pour tout. Merci à toutes d'être venues. Merci à vous, derrière vos écrans, d'avoir suivi cette première édition en live. Et n'oubliez pas, vive les poulettes. Parti! À très vite! It's so high there, nothing but a heartache. It's you when it's too late. It's you when you're tired. It's so false. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Ned. On va découvrir ensemble pendant un petit moment mon univers musical. Et j'ai commencé par cette reprise de Bonnie Tyler pour faire un clin d'œil à l'émission The Voice que j'ai faite cette année. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu. Oui, oui. Ah, ouais, ça va. Et durant cette émission, j'ai écrit mon premier single qui est sorti vendredi dernier, comme l'a si bien dit Manuela. Il s'appelle « Je n'ai plus peur ». Donc n'hésitez pas à aller le streamer, à partager, à commenter. Je vous le fais ce soir en piano voix. Même si maintenant je n'ai vraiment plus de place, et même si ton prénom ne laisse rien laisser face, je sais t'as plus la même allure, juste celle d'un futur qu'on casse. Pourrais-tu jeter ce pardon et me laisser ma dignité, semblant de gêne pas trop long, que je reste encore armée. Je sais, la suite n'a pas de fond, juste celle d'une blessure déclarée.